J'ai eu si grande joie de voir revenir sain et sauf Lancelot que j'en oubliais la coutume. Mais il ne s'annonce aucune aventure et j'ai très faim. Entre un valet. Sire, je vous apporte une nouvelle merveilleuse. Dis vite. Sire, là-bas, au pied du château, j'ai vu flotter sur l'eau un gros bloc de marbre rouge. Il est sorti tout seul de l'eau et il me suit. Entre le bloc de marbre. Une belle et riche épée est fichée dedans. Vois-tu ? Vite, giflée. Dis-moi ce qui est écrit en lettres d'or. Il est écrit : jamais personne ne m'ôtera d'ici, sinon celui aux côtés duquel je dois pendre, et ce sera le meilleur chevalier du monde. Arthur, Lancelot, cette aventure est à toi. Je sais bien que tu es le meilleur chevalier du monde. Lancelot. Hélas, non, si, je n'en suis pas digne. Arthur, alors Gauvain, mon neveu. Gauvain essaie de retirer l'épée, il reçoit une décharge électrique dans le...